Louise, foraine et itinérante, est heureuse en ce jour de se joindre à la communauté paroissiale Sainte-Maxellande en Cambrésie à l'occasion de cette fête foraine qui porte le nom de cette sainte. Grâce au Seigneur pour toutes ces personnes que nous avons rencontrées au cours de notre tournée de cette année, une année qui n'a, pour la plupart n'a pas été facile. Nous saluons aussi la présence parmi nous de Monsieur Matungi, président de l'association des parents d'élèves de l'école des Bateliers et forains de Douai, qui nous présentera son livre tout à l'heure sur l'instruction. Qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Vive mon âme de louer, une lampe, une lumière sur la route, la parole Seigneur, la parole Seigneur. Nous levons pour la lecture. Je suis la vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans cette région de notre pays, la célébration de ce que l'on appelle communément la Ducasse, c'est-à-dire une attention particulière portée au saint patron du lieu ou à la sainte patronne du lieu, comme c'est le cas ici à Caudry, aux uns et aux autres, pour que en tout ce que nous entreprenions, nous ayons cette crainte de Dieu qui nous permette de vivre dans la joie, qui nous permette d'avoir la paix du cœur, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec tous les chrétiens ici présents, en union avec les paroisses du secteur, nous t'adressons, Seigneur, nos humbles prières. Main de ta parole qui donne vie, ensemble nous te prions. Seigneur, entends la prière,
cherche à manifester un signe de ta tendresse pour le monde à travers leur vie communautaire. Et nous pensons à tous les forains que nous avons connus sur cette foire Sainte-Maxellan, ici même à Caudry, et qui ont rejoint la maison du Père. Si des personnes veulent bien s'avancer pour prendre les corbeilles qui se trouvent au côté de l'autel. Le travail de nos frères est celui de tous les hommes pour que ni le corps ni l'esprit de chacun ne manque jamais de ce qui lui est vital. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Saint, le Seigneur, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Avec lui et en lui. Amen. Tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri. Ouvrez mon cœur.
J'invite la reine Chelsea à s'avancer pour lire la prière à Notre-Dame des Forains. Marie, Notre-Dame des Forains, ton fils Jésus était un voyageur. Il parcourait ville et village, semant la paix et le bonheur. Il nous montre le chemin pour aller de ville en village, vivre son amour et son message, pour devenir ses vrais témoins. Achevons notre prière. Je tiens à remercier le Père Ignace et le Père Jean Roland. Merci aussi à notre organiste Nicolas, à la chorale paroissiale. Le Père Hervé est en communion de prière avec nous. C'est le doyen de cette paroisse. Il regrette de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Nous avons eu l'honneur cette année d'avoir la présence de la Reine des Forains de 2015 de Cambrai. Nous avons la présence aussi de Radio BLC qui ont remercié les propriétaires de ce manège, Fabien et Joëlla Marié. Merci à tous pour votre présence. Et aujourd'hui, eh bien, il est parmi nous pour présenter son livre. J'invite Monsieur Robert Matougui à s'avancer. Monsieur Robert Matougui qui est le président de l'Association des parents d'élèves des écoles de Bateliers Forains. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Vous devez bien comprendre que 40 ans de dévouement à 3 jours par semaine, j'ai fait partie de cela, avec tous ceux que je reconnais encore ici dans cette assemblée. Je vous remercie infiniment. Merci, je termine comme ça. Au revoir et bonne journée à tous. Merci aussi aux représentants de la municipalité, à monsieur le maire. Nous prenons le chant à Sainte-Maxellande.